François Fillon. Messieurs, vous avez tous les deux, à tour de rôle, estimé que c'était le gagnant de vos semaines depuis la rentrée. Eh bien, il semble que, de fait, il ait creusé son sillon. J'avais très peur de dire son fillon. Il a creusé son sillon, François Fillon. Je voudrais que vous écoutiez d'abord sa détermination, parce qu'on a le sentiment qu'il y croit plus que jamais. Je considère que la dynamique a toujours existé. Et je suis très confiant pour le second tour. J'ai toujours pensé que je serais au second tour. Il regarde les candidats, il regarde les débats. Et à ce moment-là, les choses se passent comme je l'avais dit. Donc, alors, il a le droit d'y croire? Il a des raisons d'y croire? Bah oui, évidemment. D'abord, dans les dernières enquêtes, il gagne 9 points et commence à talonner Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, on voit que Nicolas Sarkozy stagne un petit peu et que Alain Juppé baisse. Il prend des parts de voix, des parts de marché à Bruno Le Maire. Donc oui, qu'est-ce qui s'est passé avec François Fillon? Mais ça peut continuer. Il peut vraiment, éventuellement, faire tomber Sarkozy ou Juppé. Il reste 8 jours. Moi, je l'ai trouvé excellent. On l'a dit ici. Je l'ai trouvé excellent lors du débat que nous avions diffusé, le deuxième débat. Il était déjà très bon lors du premier débat et il y a encore un débat cette semaine. Donc il reste une semaine, oui. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer autour de lui. Il ne faut pas s'y tromper. Ça n'est qu'une question de personnalité. Les programmes sont à peu près semblables, à quelques nuances près. Donc c'est vraiment une question de personnalité. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, les 3 débats télévisés jouent sans doute un rôle formidable pour François Fillon parce qu'il a émergé, qu'il est apparu comme un homme d'État sérieux, avec un programme crédible, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. En gros, au fond, c'est la solidité, mais sauf que jusqu'à présent, la solidité, c'était plutôt du côté d'Alain Juppé, non? Oui, mais là encore, j'ai un désaccord avec Laurent Neumann. Bah dis donc, vraiment, ce soir, décidément, ça n'est pas qu'une histoire de personnalité et de couleur de cravate, il est transgressif, et il a osé dire, quand même, il a osé dire, vous étiez là aux premières loges, puisque c'était au débat retransmis sur BFM TV, il a osé dire, alors que on parlait des effectifs de police, tout le monde, par démagogie, c'est tellement plus simple de dire devant les Français, il faut engager des policiers. Il a osé dire, il y a plus de policiers en France par habitant que chez nos voisins allemands, anglais. Il avait raison, c'est très courageux de dire ça. Et par conséquent, la police, il faut trouver d'autres systèmes, peut-être 35 heures. Vous, vous imaginez, oser dire aux électeurs, engager aujourd'hui des policiers, c'est suicidaire du point de vue des dépenses publiques, il ne faut pas le faire, c'est le propos anti-démago. Eh bien c'est ça, Fillon, c'est le triomphe de la raison sur le fantasme et la passion. Et je trouve formidable qu'aujourd'hui il monte dans les intentions de vote.